Malheureusement, et une des plus grosses tristesses nous recevoir dans, pendant la période ça là, c'est lorsque nous entendons bandits non seulement attaquer un paquet de facultés dans le pays, l'autre l'école, etc., mais ils ont attaqué la Bibliothèque nationale. Donc ça, je pense que yo pas normal. Professeur, m'a quitté toi aller parce que je vous dis à ses anniversaires. C'est l'école qui a brasé, ouais. C'est la bibliothèque qui a brasé. L'hôpital. Elle a porté un complot pour tuer le savoir parce que l'on détruit l'école. Ouais. L'on détruit la culture qui n'a pas existé encore car la culture représente ce que j'appelle la base fondamentale de l'humanité. C'est ça qui distingue nous de l'autre bête. Tout le monde met sur les pieds, sur les mains, sur les nez, sur les yeux. Deux oreilles. Mais il va y avoir une réunion pour faire conférence. Je servis à qui bien servi. Mais c'est donc équilibre, c'est donc faire peinture, c'est donc faire sculpture, c'est donc faire gros, qui composer sonate, c'est nous-mêmes qui composer musique classique, c'est nous-mêmes qui composer tout, qui cocodia, qui est rap, qui est tout, toute qualité, variété qui est dans la musique. Eh bien, ça, on veut faire. Ils ont entré dans la bibliothèque, ils ont brûlé manuscrit, ils ont entré dans cette trinité, ils ont crasé l'instrument de musique, qui prend à la veille, on va me souhaiter qu'ils apprennent à faire musique. Mais là, ils ont crasé là, ça veut dire détruit l'instrument, la capacité de créer. Ouais. Bah, là, pour ton complot. C'est complot. Est-ce que c'est du sacré, parce que nous levons et puis nous gâtons le business mondial. Nous avons pris l'esclave. En Afrique. Et puis l'esclave travaille depuis 5 heures du matin pour du jeudi soir. Et pour gâter le business mondial. Tout ça nous fait, oui. Nous gâtons le commerce mondial. Nous ne pouvons pas oublier ça. Nous sommes capables peut-être de manière inconsciente, géniale. Là, je ne peux pas attaquer l'Occident pour me dire au même responsable. Mais quand même, son fait historique, plus gros événement dans l'histoire de l'humanité, dans les annales de la civilisation humaine, c'est la révolution de ce domaine. Que c'est ce qu'on a fait, c'est plus gros bagaille. Et puis après nous-mêmes, permettre d'excuser de dire ça, nous chier sous le lit, nous faire tétanade sous le lit, qui fait que l'ennemi profiter qu'on y a, et bien moi, c'est tout le monde qui débesure. Ouais, nous échoué. Il a dansé, il est content, il a pris, il propose, il a pris des noms. Mais il dit bon, n'est-ce pas fruit quand il y a 220 ans, il y a de côté où il est venu. C'est ça que je ne sais pas, je me pose une question. Non, mais c'est ce que je ne peux pas exagérer. C'est vrai. Ça porte un complot pour tuer nous. Et professeur, je dis ça chaque jour, et je pense que ce n'est pas tant qu'au bien portrait un complot, son complot même. Parce que, gen bagay, moi, je dis ça dans l'émission avant hier même. Lorsqu'on besoin éliminer un peuple ou attaquer système éducatif l'éducation et de fait c'est ça n'a pas aujourd'hui hein au final cerveau si pas gagne un cerveau avec ça la substance l'essence de l'humanité clair c'est ça l'humanité les hommes sont différents des autres animaux parce que l'homme est un animal mais il est un animal raisonnable et ben ou détruire la culture au monde, ou détruire la capacité de créer, eh bien, c'est ça, on est bête. Eh bien, ils jouent M. Sayo comme instrument, qui ne comprennent rien. C'est vrai que c'est des victimes quelque part. Parce que depuis 1804, ils ont marginalisé, ils ont foutu sous côté. Ils ont dit, c'est mon aide à l'oeil, ils ont pas mon aide à ou foutu dans le ghetto, côté, ils ont pas joué ni manger, ni l'école, ni l'hôpital. Mais c'est pas une raison, ça m'a dit, et pour les peut-être bien captadem, c'est pas une raison pour gagner une vengeance pareille, une vengeance à peu. Parce que là, ils crasent une petite boutique, leur boulet, une petite machine Bogota, qu'on malheureux, ça il faut vous le gagner, ça c'est pas vengeance historique, ça c'est
folie. Parce que le monde qui est responsable, injustice, yo, qui fait que les classes qui pauvres, qui pas jamais acquis à l'école avec Olaf Kounia, depuis le commencement, j'en ai troisième, la seconde, ils veulent étudier à la Sorbonne, ils veulent étudier à Paris, ils veulent étudier à Vienne, ils veulent étudier à Londres. C'est vrai que c'est injustice liée. Mais monsieur Sayo, Kounia, capté tout de l'autre côté, le trompeur de route, le trompeur de cible, c'est pour qu'on qui monde peut attaquer. Ou pas capable d'attaquer, monde qui va retourner. Qui respire même avec vous, qui parle même avec vous, qui grand goût même avec vous. Aïe, 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 c'est moi-même, m'relais ça, professeur, mouvement scorpion, et c'est exactement ça, moi, moun yo souvent fait. Yo attaqué propre tête yo, yo piqué propre tête yo, malheureusement, et même moun qui nan tête mouvement yo, chef gang yo, yo dou, yo ap attaqué moun qui autour de yo d'abord, avant yo arrivé sous soi-disant oligarque yo besoin. Maintenant, non. C'est bien, non. C'est une mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie. Je ne vais pas prendre dans la guerre. Je vais prendre mon employé. Je vais faire la révolution. Et pour commencer par détruire ça qui est pour là, qui pour faire, qui pour frère, qui cousine, qui habitué, qui lever dans le menu. Et pour oublier le petit lit, Et puis, bon, assassin, à cravate. Bon, en ça, c'est millionnaire, et puis, on dit, bon, ça a pris l'offre, une crise est faible, ou pas, ça, c'est plus fort. Ça, ça, c'est là. C'est grave. On mauvaise démarche. C'est une mauvaise stratégie. Ouais. C'est de la folie. On sait si c'est lié, ou à peu. Ouais, c'est vrai. Mais réfléchis sur ça. Son vieux grand monde, 88 ans, Fouquetien, qui le fait soumettre, me battre les bébés sur ville moi-même, me battre les bébés Tijon, me battre les bébés Domicile. Parce qu'à l'époque, le monde qui donnait ici, eh bien, quand ça a été le jeune Jebred, il n'y a pas de personne. Donc, quand ça a été écrit, eh bien, le monde qui a parlé à ce là son écrivain, qui sont en paysannerie, qui vivent sous Belé, et puis, quand pas qu'il y a des élèves là, il y a témoin que l'homme qui travaille, il n'y a pas de distinction entre ça qui est jaune, qui ça qui est rouge, qui ça qui est noir. Donc, je crois que si monsieur a peur de moi, au moins, même il y a quoi, moi, parce que je suis un bon politicien, et je ne suis pas un milliard en même temps pour me battre dans le pays à moi-même.